Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, troisième set. Après le set des coups de poing, le set des frappes avec les mains ouvertes, maintenant le set des blocages. Alors ces sets-là hein, peuvent différemment être travaillés pour le karaté comme pour le kempo. Hein. Donc ce sont les mêmes blocages. Donc comme pour les deux autres sets, je vais vous le montrer d'abord et expliquer ensuite, sachant qu'il y a une version A et une version B. La version B, ce sera un peu plus pour les pratiquants avancés. Voilà. Donc toujours pareil, on commence position du cavalier. Les points ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc voilà la forme de base. La forme de base. Donc ici, on monte sur comme si on donnait un uppercut. Hein. Ici, au dernier moment, je pivote pour faire mon blocage haut. Mon coude tire vers le bas et je viens bloquer avec cette partie-là, sans rotation complète, à 45 degrés. D'accord ? Pas plus loin que mon épaule. Hein. Ces explications, vous l'avez dans une vidéo précédente. Je retourne mon poignet et je viens bloquer sur l'extérieur. La paume vers soi. Je repars vers mon intérieur et cette fois-ci, je fais une rotation complète pour venir bloquer avec cette partie-là. Rotation complète. Je descends, blocage bas. Je remonte intérieur, extérieur, le poignet au niveau de l'épaule. Je ramène à la hanche, je viens bloquer avec la paume vers le bas. Là, j'ai rajouté ici, je viens, comme si le point arrivait, je viens me coucher dessus. Je retourne mon poignet et je viens comme si j'agrippais. Pousse ici, et là je fais un shooto. Donc la même chose de l'autre côté. Donc voilà, donc là blocage haut, blocage 45, blocage intérieur-extérieur, blocage avec cette partie-là, un uchiuke. Blocage bas, blocage haut, médian, bas, je viens me coucher, j'agrippe, je bloque, je ne dépasse pas l'épaule, je bloque et je fais un shooto. Ageuke, un uchiuke sans rotation complète, ici, un uchiuke rotation complète, gedan barai, sotouke, tencho, etc, etc. Donc toujours pareil, de bien les travailler de façon fluide. Hein. Ensuite, comme d'habitude, on cherche à mettre la hanche. La hanche. Ensuite, on peut les travailler en zenkutsu ou en position neutre, selon si on est en kempo ou en karaté. On est ici en garde, ageuke. Ici intérieur, bas, bas, blocage, saisie, etc., etc. Donc voilà deux façons de le travailler. Maintenant, je vais vous montrer une version un peu plus avancée. C'est-à-dire que il va y avoir seulement quelques blocages qui vont changer. Donc on est ici, là, on monte, pareil, mais là, le coude, il reste bas, il n'y a pas de rotation, on vient bloquer avec cette partie-là. Ici, vous voyez, le coude, il est bas. Dans l'autre, on était comme ceci, ouvert, le coude ouvert. Là, le coude est en bas, c'est un peu plus difficile. Hein, d'accord? Là, ça ne change pas. Là, ça ne change pas. Là, ça ne change pas. Là, ça change, par contre. On vient bloquer avec cette partie-là. Là, ça change. On vient bloquer avec cette partie-là, il n'y a plus cette rotation. Et ensuite,
ça ne change pas. Je vous montre dans ce sens-là. Donc ici, on vient bloquer avec cette partie-là, pas de rotation complète. Ça ne change pas, ça ne change pas, ça ne change pas, ça change. Ça change, ça ne change pas, ça ne change pas, ça ne change pas, ça ne change pas, ça ne change pas. Vous voyez, c'est vraiment sur celui-là et sur celui-là. Une troisième version pour celui-là, c'est qu'au lieu d'être comme ceci, on est légèrement 45 degrés. 45 degrés. Donc ça donnerait ça. 1, 2, 3, 4, 5. 45 degrés. Donc ce deuxième set, c'est plus, avec les variations, c'est plus pour les pratiquants un peu plus avancés. Alors on vient bloquer avec la phase externe. Mais vous pouvez déjà commencer à travailler les deux. Je vous remonte la version 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. La version 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà un nouveau set à travailler. Donc ça vous fait 3 sets qui regroupent en gros toutes les frappes et tous les blocages principaux dans nos disciplines. Travaillez bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous filmer en train de le faire. Comme ça, moi, je pourrai voir ce que vous faites et corriger vos techniques. En attendant de se revoir en vrai, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Entraînez-vous et pensez, normalement, peut-être passage de grade à la fin de l'année scolaire. Voilà. Bonne soirée.